Le nouvel archevêque de Kananga, Mgr Félicien Tambwe, a pris possession du siège épiscopal de Kananga le dimanche de la Pentecôte 19 mai. Le missionnaire de Skeut avait été nommé évêque de Kabinda par le pape François le 23 juillet 2020. Le Saint-Père l'a nommé archevêque de Kananga le 19 mars dernier pour succéder à Mgr Marcel Madila. Le 19 mai, sur l'esplanade de la pro-cathédrale Saint-Clément de Kananga, c'est le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Mgr Marcel Outembi, archevêque de Kisangani, qui a introduit la messe que le nouvel archevêque poursuivra après la cérémonie de la possession canonique du siège épiscopal. 25 autres évêques, dont l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, ont concélébré. Il y a eu aussi à l'hôtel des dizaines de prêtres de Kananga et d'ailleurs. En français et en langue locale Chiluba, Mgr Marcel Outembi a exhorté le nouvel archevêque et les fidèles de Kananga à vivre l'unité, fruit de l'action de l'Esprit-Saint dans la vie des personnes et des communautés. Mgr Félicien Tambwe lui-même a notamment expliqué sa devise épiscopale « Un seul cœur, une seule âme » selon les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. Le nouvel archevêque de Kananga se donne trois défis essentiels, la communion, la mission évangélisatrice renouvelée et la gestion rationnelle pour le salut et la sanctification du peuple des dieux. Comme le bail, 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 comme le bail